des violonneux, non, je n'en connais pas. Non. Des violonneux, j'en ai connu. J'en ai connu il y a une quinzaine d'années, mais disons qu'à présent, maintenant, c'est des gens qu'on trouve très, très difficilement. Et ici, vraiment, je n'en connais pas. Il y a une quinzaine d'années, j'en connaissais un, très bien, qui faisait des noces, il faisait des petits bals folkloriques, et il avait peut-être même joué dans cette salle, vous voyez. Seul. Alors le dernier des violonneux, c'est un nommé Jean Sestagnol, qui habite là-haut dans le bourg, mais vous n'avez pas beaucoup de chance de le trouver à cette heure-ci. Enfin, vous pouvez toujours voir chez lui. S'il n'y est pas, eh bien, je vous conseille d'aller voir Madame Cougnou, qui est une dame qui s'occupe beaucoup des vieilles choses et qui a d'ailleurs écrit un article sur lui dans Le Musée. Alors là, déjà, vous auriez des renseignements, mais elle se fera un plaisir de vous dire ce qu'elle sait. Voilà. Le dernier violonneux des Monivières. Texte d'Antoinette Cougnou, dit par l'auteur. Extrait de la revue félibréenne et régionaliste Le Moussy. Janvier 1981, place municipale Tulle. La veillée au coin du feu. Par les soirs d'hiver, longs et monotones, plusieurs familles se réunissaient dans le même cantou autour du feu qui flambait dans la cheminée et passaient ainsi plus agréablement la soirée. Les femmes filaient le chanvre, la laine, tout en causant. On racontait les nouvelles du jour. La grand-mère lisait un conte, celui de la bête des sept têtes, ou du poussin pelé, ou du loup et du renard dans les monédières. Les jeunes filles chantaient quelques chansons, des chansons de bergers et de bergères. Et l'on dansait en fin de soirée, quand il y avait un musicien dans l'assistance. Il est vrai qu'on s'arrangeait toujours pour ne pas avoir à en déplorer l'absence. Notre violonneux Jean Chastagnol en est témoin. On lui avait dit dans la journée, « Zan, une rivière ça à nous à qui t'échire, et pour tarir le violon. Jean, vous viendrez veiller chez nous ce soir et vous apporterez le violon. » Thank you.
ça dit. Et les violonneux étaient nombreux dans la région autrefois. Alors vous me direz alors, oui, n'est-ce pas, dans le village on était, il y en avait toujours plusieurs par village comme ça. Vous direz maintenant, moi je suis seul, n'est-ce pas, là, resté dans la, dans la région des Monédières. Et il n'y en a pas dans les environs aussi, il y a, vous direz, quelques-uns que vous connaissez, Perra, d'autres comme ça, dans les environs, mais enfin ils ne sont pas nombreux. Ouais. Et alors en français, je vous dirais, et vous êtes content quand même maintenant de pouvoir jouer encore à votre âge, bien de pouvoir... Je peux y aller ? C'est bien content de tourner en taille avec la musique et une compagnie et tout, le Hani, nous le dirons. On commence. On entourera combien de chers? À quoi vous allez? Vous étiez nombreux les musiciens autrefois, n'est-ce pas, dans les villages? Oui, on était toute une petite famille. On était 5 ou 6 dans la commune. Oh là là! Oui, et maintenant je reste seul. Et c'est souvent que vous faisiez danser. Ah oui, même dans la semaine des fois. C'est rassemblement dans une maison, en hiver, là. Et c'était une distraction pour la jeunesse. Et oui, ça amusait. Même les vieux se plaisaient bien. Oui. Des fois, ils en faisaient une partie avec leurs sabots. Et bien sûr. Ils voulaient faire une boulée. Et maintenant, il ne reste plus guère. Eh non, pas beaucoup. Il y en a bien aux alentours, mais c'est loin. Je ne les vois pas souvent. Par certains soirs de dimanche, avaient lieu des veillées organisées, c'est-à-dire des bals. Pour la jeunesse, des occasions de se rencontrer, de lier connaissances, d'où résultaient parfois des mariages. Que de ces assemblées de bouillante jeunesse, le vieux musicien d'aujourd'hui a-t-il vu s'ébattre au son de son violon? Le cadre, presque toujours le même. Une chambre dans une maison de village, l'unique chambre bien souvent. Après l'avoir débarrassé du petit meuble, on rapprochait les lits et la table servait d'estrade. Une lampe à pétrole, suspendue par précaution dans un coin, éclairait, si l'on peut dire, une partie de la pièce. Restait une zone de pénombre, refuge de la gent non dansante et des couples d'amoureuses aussi. Thank you.
départ, on dansait bien les dimanches à la sortie de la messe, comme nous étions jeunes. La fête continue. Moitié la valse. À l'adresse du musicien. Et celui-ci accélérait le rythme. Des couples se heurtaient, se bousculaient, puis aussitôt reprenaient la cadence. Et toi, cela, plus vite encore, reprenait quelque autre enragé danseur. On assistait alors à un vertigineux tournoiement, une sorte de compétition. Des couples épuisés se retiraient de la danse. Seuls restaient les champions que l'on admirait. Une fois délivrés, les filles, étourdies et haletantes, se laissaient choir sur le premier point d'appui venu en poussant de nombreux soupirs. Thank you.
ainsi que la jeune qui était la première danse qu'il faisait. La polka. Après, quand ils étaient un peu plus forts, c'était la malieuca. Et il fallait se lancer dans la valse. Et la bourrée. Ça, c'était... Oui, le bourrée, c'était beau, vous, dans le temps. Ah oui. Je l'ai un peu loupé, la ronde. Un moment. Ça, c'est une vieille valse auvergnate qui se joue encore beaucoup. Hein. Dans les balles, partout. Tous les vieux musiciens le jouent. Si je vois surtout dans notre musique, c'est une cadence. C'est la cadence. Vous savez, les danseurs n'écoutent pas tellement la musique. Ils écoutent peut-être davantage le cavalier. Il était un rite auquel, de temps à autre, le musicien ne manquait pas de sacrifier. Au beau milieu d'une danse, voici que tout à coup il interrompt sa musique pour émettre sur deux cordes du violon deux sons assez rapprochés qu'il répète plusieurs fois en les accélérant. Bitou, bitou, baiser, baiser, dit le violon. Et le musicien d'ajouter, non sans un peu d'emphase, embrassez vos cavalières. Qu'est-ce que vous voulez? C'était toujours les mêmes, quoi, des camarades. Alors, on ne pouvait pas payer. Ils payaient parfois. Et puis, ils n'étaient pas bien pressés pour payer. Hein. Payer à boire, oui, celui qui aurait voulu siroter, ça va bien. Mais il les lâchait pas souvent. Enfin, c'était l'habitude, on jouait pour le plaisir. Jean, pourquoi mettez-vous ces rubans à votre violon? Ah, c'est pour vous, quand on va à une, là, il faut les rubans. Ah bon? Ah oui, on ne les met pas pour les veillées, pour les petits balles. Oui. C'est que pour les noces. C'est que pour les noces, il y a toujours des rubans qui sont payés pour la mariée ou la contre-neuve. Ah bon? Oui. Et voilà. Qu'est-ce qui vous les paye, ces rubans? Ah, c'est la contre-neuve. C'est le contre-neuve? Oui. C'est-à-dire un garçon d'honneur? Un garçon d'honneur. Oui. Oui, voilà. Et après? Je suis en contact de les emporter. Oui. C'est un souvenir de la noce que j'ai fait. Et qu'est-ce que vous en faites? Ah, je les mets de côté. Vous les gardez? Ah oui. Eh bien, vous devez en avoir de ces rubans. Oh là, j'en ai plein. Pendant longtemps, les mariages ont été célébrés chez nous selon la vieille tradition. Le parcours se faisait à pied et comptait souvent plusieurs kilomètres. Aussi, le cortège était-il conduit par un violonneux qui jouait des marches entraînantes. À vrai dire, il ne jouait pas pendant tout le trajet. Mais d'abord, au départ du domicile de la mariée, puis lors de la traversée d'un village. Et enfin, et surtout, dès que le bourg était en vue, il fallait se signaler. Une noce, c'était un événement dans le pays.
en même temps qu'un joli spectacle. Les gens accouraient sur son passage pour voir tout ce monde en habit de fête. Tant que violonneux, Jean Chastagnol conduisait les mariés vers leur destin. Jean marchait en tête du cortège et jouait dans un flottement de rubans tricolores noués à la corde du violon et que le vent faisait flotter durant la marche. L'année ménant, la pauvre Anoria, l'année ménant que tu attends, chantait la ritournelle. Vous n'irez plus au bal, madame la mariée, lui chanterait tantôt les jeunes filles. Ce que disait la chanson était vrai chez nous à cette époque. La jeune épouse était astreinte dorénavant à d'impérieux devoirs qui n'étaient pas bons de transiger. La fête durait tout le jour et toute la nuit, avec deux plantureux repas, le dîner de midi et le souper du soir, chacun suivi d'un bal. Ça, c'était des noces. Thank you.
Mais voici que parviennent jusque chez nous danses à la mode et chansons nouvelles. Et qu'un beau jour, dans la salle de bal devenue plus spacieuse, un nouveau venu s'installe, l'accordéon. Au son de ce nouvel instrument, on danse le charleston, la java et le tango. Et de partout l'on chante à présent, dans les jardins fleuris de Barcelone, ou bien quand le soleil paraît à l'horizon, à Saïgon, et l'on rêve de ces lointains pays. Ah, combien nous paraissent fades à présent, et usés les vieux airs de chez nous. Nos chansons, nos airs de valse et de bourrée, nous les abandonnons, hélas, nous les méprisons. Ben le jour cependant, où Jean Ségurel s'avisa de les porter devant le micro de Radio Toulouse, avec Roger Faure, son chanteur de l'époque. Nous les attendions. Or, quand cette musique et ces chants déferlèrent du haut-parleur de notre poste de radio, nous fûmes surpris et émerveillés. Il nous semblait les entendre pour la première fois. Ainsi portés jusqu'à nous sur les ailes des ondes, ils avaient acquis du prestige. Ils s'étaient revalorisés. Thank you.
n'y a pas mes sœurs à la baldigra. Comme ça de temps en temps, puis ça repart, hein, ça ressort. Pourrez-vous faire une bourrée? Non. C'est la bourrée, les gars de la montagne. Temps de ma jeunesse, il y avait que des violons comme instrument dans le pays. C'est quand les accordéons commençaient à sortir, ça a tué le violon, hein, complètement. Sans ça, moi j'avais appris ces vieilles danses avec mon père, et puis finalement je les avais guère jamais jouées, si bien que je les avais oubliées, c'est des jeunes qui me les ont réapprises. Oh, j'ai fait ça pendant 10-15 ans, et puis après je suis resté, j'ai resté 50 ans sans jouer. Oh oui, oui.
Bon, pas 50 ans quand même. Je sais bien, c'est 5 ans. Pas sans jouer, pas du tout, mais enfin sans jouer un peu, quoi. À part un jeu de baptême ou un jeu de noces, on me disait d'en jouer une. C'était tout. On perd la main, même encore. On n'a pas la main comme quand on faisait le métier. Il m'est arrivé quelquefois de... Je me rappelle une fois, j'ai eu 3 noces dans une semaine. C'était plutôt rare. Hein? C'était plutôt rare. 2, ça arrivait parce que c'était le jeudi et le samedi, les mariages, en principe. On était pas mal connus. Beaucoup de camarades, alors quand ils se mariaient, ils n'oubliaient pas. Mais ça faisait une occasion pour chanter. Il n'y en avait pas beaucoup qui jouaient du violon. Ils n'étaient pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait bien, mais enfin... Et... Oh, j'ai appris très jeune. Mon père était violonneux. Et à l'âge de 10 ans déjà, quand je pouvais attraper le violon, il n'était pas là. J'ai commencé. J'allais à l'école, il y avait une épicerie là-bas, ils avaient un petit violon, 3/4. Et puis tous les midis, j'y allais avec des copains qui me faisaient jouer, ils étaient contents. Mais l'instituteur me faisait chanter seul à l'école. Et lui, il jouait du violon, il m'accompagnait au violon. Mais jamais il a voulu me faire jouer du violon. Ensuite, quand j'ai eu 16 ans, j'ai commencé à faire des noces. Et c'est là que j'ai joué avec un violonneux de chambre, un homme Rivé. J'ai appris beaucoup avec lui. J'avais joué très longtemps, du reste. Lui, il jouait très bien parce que c'était un premier prix conservatoire de Bordeaux qui lui avait donné des leçons, là, pas mal. Eh bien, j'ai appris tout bêtement comme ça, tout seul. Et pas toujours comme je voulais. Quand je voulais jouer à la maison, parce que mon frère, il faut que je vous dise que mon frère avait un violon. Il avait été malade, on lui a acheté un violon. Alors, moi, je voulais bien mettre ma main aussi, mais c'est pas facile. Et je pense que les parents avaient assez de cette musique. Ils me disaient, quand je voulais jouer, ils me disaient, va-t'en, j'ai cet talent dehors. Et j'étais bien obligé de le faire. Et puis, j'ai vidé les lieux. Alors, pendant l'hiver, c'était dans les séchoirs à châtaigne, comme ça, dans les granges, dans les étables. Et pendant l'été, on jouait au clair de lune. Et sur la paille de blé noir. Et sur la paille de blé noir, enfin, la saison, quoi. Ah ben on entendait d'autres musiciens quand c'était dans les balles, une fois par ici, une fois par là, une fois, une fête. C'était pas comme maintenant. Maintenant il y a les cassettes, il y a tout ce que l'on voulait, mais il n'y avait rien. On sautait une fois, un jour, deux fois, alors quand on entendait une, il fallait l'attraper, on l'attrapait plus ou moins bien. C'est vrai, là. Je me rappelle un jour, deux fois, j'en avais entendu chanter une, j'étais tout jeune là, c'était Cœur des Lilas. Oh mais je trouvais que c'était beau moi, pourtant il est bien. Il faut dire qu'il y avait un violon qui l'a joué. Alors pour moi, vous savez, c'était le fin du fin, c'était... J'avais le violon en tête. Seulement, sur les foires, ce n'était plus du folklore, ce n'était plus des chansons du pays, c'était des chansons qui se chantaient à Paris et que... Enfin, les gens ont commencé à y prendre goût, quoi. Ils ont laissé tomber les vieilles. Et maintenant, c'est les vieilles qui sont de retour. Quand c'est pour des jeunes qui viennent de la ville, ils aiment beaucoup les danses traditionnelles. Mais les gens du pays, si on leur joue une mazurka, une polka, une scottish, ils vous regardent et ils savent pas ce qu'ils sont. Ils y connaissent rien du tout. On peut aller à Saint-Genis, par exemple. S'il n'y a qu'un violon, ils dansent même pas. Ah, je peux jouer un cantique pour Madame Pierre. Vous savez, quand elle va se coucher, qu'elle a lancé sa musique, qu'elle a du mérite, vous savez, mon femme. Elle qui n'aime pas la musique, endurer ça toute une vie, alors elle va se coucher. Alors pour l'endormir, je lui joue un cantique. Un cantique que je vais vous jouer. Thank you.
violon, j'ai été prisonnier 5 ans. Et le premier hiver qu'on a passé en Poméranie, sur la frontière polonaise, il faisait du reste pas chaud. Il faisait des fois 30, 32 au-dessous de zéro. Alors il y avait une jeune étudiante allemande qui venait en vacances à la ferme, qui parlait quelques mots de français. Et comme on avait un interprète français qui avait appris l'allemand à l'école, il se débrouillait bien. Alors, on a dit, tiens, si elle pouvait me porter un violon, je leur ai dit que je jouais du violon. Alors, on lui a commandé le violon, la jeune allemande, là. Et quand elle est revenue, elle m'a rapporté le violon qui coûtait 58 marques, je me rappelle. On s'est tous cotisés, là, les copains. Et ce violon, il m'a suivi partout en Allemagne. J'ai été libéré par les Russes. On est resté 3 mois avec les Russes. Et on avait marché 3 semaines sur les routes. Hein. Il fallait que j'y tienne parce que j'ai jamais voulu le lâcher, mon violon. Et aujourd'hui, ils peuvent m'en donner une brique, hein, je ne le donnerai pas. C'est peut-être l'instrument qui m'a sauvé la vie en Allemagne. Hein, parce que quand j'avais pas bien le moral, je jouais un peu de violon là, les soirs. J'oubliais un peu tout, toutes les misères. J'ai 5 ans, vous savez, prisonnier, c'est long. Hein. Il fallait vraiment avoir la tête solide pour y tenir. Voilà l'histoire de mon violon que j'ai jamais voulu quitter. Ça me rejeunit. Ça me rejeunit. Je me crois tout jeune quand je suis avec les jeunes. Oui. Eh bien, nous vous souhaitons de pouvoir faire ça encore longtemps, ces bonnes conditions. Oui, oui, oui. Toujours la même santé. Mais j'attends la mort tous les jours. Naturellement. Ah, ben, je suis pas poulé du 30 ans. J'ai 82 ans passés. Oui. Ça fait un moment que je joue le violon. Donc, vendrai meilleur que tu cherches à nous. Et pour tarir le violon. Jean, vous viendrez veiller ce soir chez nous et vous apporterez le violon.